de cabinet. Ordonnance numéro 19/002 du 25 janvier 2019 portant nomination d'un directeur de cabinet adjoint du président de la République. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 79. Vu l'ordonnance numéro 09/003 du 30 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement ses articles 3, 4 et 7. Revue l'ordonnance numéro 10/027 du 19 février 2010 portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la République et des directeurs de cabinet adjoints, vu la nécessité et l'urgence ordonne. Article 1er. Est nommé directeur de cabinet adjoint en charge des questions juridiques, politiques et administratives, M. Désiré Cachemire Kolongele et Bérande. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 25 janvier 2019, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 25 janvier 2019, le cabinet du président de la République, Vital Kamerhe Luakanyingini-Kingi, directeur de cabinet. Pour terminer ces communiqués officiel, le cabinet du président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, porte à la connaissance de tous les membres du gouvernement et des dirigeants des entreprises, établissements ainsi que des services publics de l'État qu'à dater de ces jours jusqu'à nouvel ordre, les recrutements et les mises en place du personnel sont suspendus. Il en est de même des engagements et liquidations des dépenses publiques autres que celles liées aux charges du personnel. Les cas exceptionnels sont soumis à l'autorité préalable de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'exécutif. Fait à Kinshasa le 25 janvier 2019, Vital Kamerhe. Le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo, a présidé la première réunion du Conseil supérieur de la Défense. La situation sécuritaire sur toute l'étendue du territoire ainsi que l'amélioration de la situation des hommes en uniforme ont été abordées au cours de cette réunion. Regardez. Ce vendredi 25 janvier 2019, il s'est tenu la première réunion du Conseil supérieur de la Défense, présidée par son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshilombo, qui a prêté serment hier. Cette première réunion s'est focalisée essentiellement sur l'état des lieux. Après avoir noté qu'il règne calme général sur l'ensemble du territoire national, les différents services attitrés, notamment l'armée, la police nationale, les services spéciaux, ont présenté l'état des lieux et leur fonctionnement. Il s'est dégagé que, malgré les efforts fournis par les différents animateurs, le chef de l'État a estimé qu'il doit prendre l'engagement pour, ensemble avec les responsables des services, notamment l'armée et la police nationale, pour améliorer les sociales des militaires et des policiers, et ce, en collaboration avec les ministères de la Défense nationale, les chefs d'état-major général, les ministères de l'Intérieur et le commissaire général de la police nationale congolaise. S'agissant des services spéciaux, le chef de l'État s'est engagé à humaniser ces services de manière à redorer l'image même du pays. La réunion a pris 4 heures. Les échanges ont été très fructueux.
Ça a permis au président de la République de prendre en fait la température des différents services de sécurité qui opèrent dans notre pays. L'actualité, c'est également la remise et reprise entre le président sortant, Joseph Kabila Kabange, et le président élu entrant, Félix-Antoine Tshilombo, qui a pris possession de son bureau au Palais de la Nation. Reportage. Après la cérémonie d'investiture et des passations de pouvoir, jeudi 24 janvier dernier, est venu le tour de la remise et reprise entre le président de la République élu entrant, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président de la République élu sortant, Joseph Kabila Kabange, ce vendredi 25 janvier 2019. Joseph Kabila a accueilli son successeur en présence de membres des cabinets entrants et sortants. C'est la dernière étape d'un cérémonial solennel qui a consacré l'entrée en fonction effective du président de la République Félix Tshisekedi, chef de l'État, en même temps commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Les tours ont démarré par une visite du premier hémicycle du Congo où avaient été prononcés les discours de l'indépendance par le roi Baudouin des Belges, le premier président du Congo Joseph Kasavubu et du premier ministre Patrice Emery Lumumba le 30 juin 1960. Salle mythique et historique qui a permis au cinquième président de la République démocratique du Congo de prendre possession de ses bureaux du Palais de la Nation. Ensuite, les deux personnalités sont entrées dans le cabinet de travail du président Joseph Kabila pour un tête-à-tête après avoir procédé à un échange rituel des places et des fauteuils. À la fin du huis clos, le nouveau chef de l'État a raccompagné son prédécesseur à la sortie de la rotonde du bâtiment. Il a serré sa main en lui souhaitant bonne chance et fructueux mandat dans sa nouvelle vie de sénateur. Désormais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo assurera la conduite de la vie sociale des Congolais et la gestion des affaires de l'État. Et il faut le dire, après le départ du président Joseph Kabila, les journalistes ont intercepté sur place le nouveau chef d'État, Félix-Antoine Tshilombo. La première interview du nouveau président après sa prise de fonction était axée sur l'intérêt du peuple, résumé par le peuple d'abord. On l'écoute. L'intérêt des Congolais sera mon premier souci. Vous êtes en pleine forme. Très en forme. Une première question si personnelle, comment on se sent quand on vit ses premières heures en tant que président officiel de la RDC? D'abord, on se sent conscient en tout cas d'avoir la responsabilité de millions d'âmes et on se pose des questions sur les sacrifices qu'il faut faire par rapport à certaines habitudes qui n'entrent pas dans le cadre de l'intérêt supérieur de la nation. Donc on essaye d'entrer dans la peau du président et de s'habituer à la fonction. Vous savez, on n'a jamais eu d'expérience avant d'entrer dans cette fonction. L'expérience, elle commence comme aujourd'hui, au jour J0. Et puis, jour J plus 1 et ainsi de suite. Papa Lobaki, le peuple d'abord, un message de la population hier, comment vous l'avez fait? Ah oui, absolument, ça m'a beaucoup touché. Et évidemment, ça va être le fil conducteur de tout mon séjour à la présidence de la République. Vous avez promis de fermer des cachots, certains cachots dans le pays? Ce sera fait, je vous confirme, ce sera fait. J'ai déjà programmé une réunion du Conseil supérieur de sécurité à laquelle je vais adjoindre les agences comme l'ANER, etc. Et l'une de mes premières décisions sera celle-là. Ce sera avant la formation du gouvernement. Lorsqu'il y a des cas de ce genre, on les transfère simplement à la justice. S'il faut les emprisonner, on les emprisonne à Makala ou ailleurs. Il disait également en titre que le président de la République a signé deux ordonnances portant nomination de son directeur de cabinet, de son directeur de cabinet adjoint, suivant à présent ce qu'a été la cérémonie de remise et reprise. Regardez. Le cabinet du chef de l'État à l'heure de la remise reprise. Les directeurs de cabinet sortant, le professeur Némi Mwilanya Wilonja, cède le fauteuil à Vital Kamerhe Wakanyingini. Les directeurs de cabinet du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a été reçu par son prédécesseur qui lui a fourni de plus amples explications sur l'organisation et le fonctionnement du cabinet du chef de l'État. Le professeur Némi Mwilanya a remis à son successeur
Les documents essentiels, notamment le rapport condensé de 2015 à 2017, les textes légaux organisant le cabinet du chef de l'État ainsi que les clés des différents bureaux. Voici décrit en quelques mots, cette machine politique et administrative qui épaule le chef de l'État dans l'accomplissement de ses prérogatives constitutionnelles. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, a remercié les directeurs de cabinet sortants pour la promptitude avec laquelle la cérémonie a été organisée. La formation de son cabinet requiert d'importants détails techniques, a-t-il renchéri. La question des détails de politique, mais il est avant tout aussi technique. C'est-à-dire qu'on ne devait pas conseiller le président de la République quand on va maîtriser la matière. C'est la République qui se gère dans cette mesure. Nous tenons seulement à vous remercier très sincèrement. Nous avons facilité la tâche de la mise de la prise de vie président. Voilà que le même jour, parce que moi je me disais peut-être qu'on allait attendre que vous allez travailler jusqu'à lundi matin, le même jour, vous êtes prêts, nous sommes prêts. Nous ferons la mise de la prise, nous continuons à travailler ensemble parce que c'est notre pays, nous devons être en communion. Vital Kamerhe a assumé plusieurs charges de responsabilité. Il a été notamment ministre de la Communication et des Médias et président de l'Assemblée nationale. Heureusement, dans son discours le jour de son investiture, le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas manqué de rendre hommage à ses prédécesseurs pour la noblesse de leur combat qui doivent rester dans la mémoire collective. On l'écoute encore une fois. Chers compatriotes, ce moment inédit de notre histoire est aussi un instant privilégié pour célébrer différents acteurs présents et passés qui ont contribué à l'avènement de cette transition démocratique. Nous pensons tout d'abord au président Joseph Kasavubu, réputé pour sa droiture et sa gestion saine des deniers publics. Ensuite, au premier ministre Patrice Emery Lumumba, qui déclara, je cite, « Pour la dignité de l'Afrique, j'accepte la mort ». Puis au président Joseph Désiré Mobutu, déterminé dans la recherche de l'unité du peuple congolais et l'affirmation de notre authenticité. Enfin, au président Laurent Désiré Kabila, particulièrement attaché à l'idéologie de ne jamais trahir le Congo. Pour ces architectes de notre souveraineté, la noblesse de leur combat demeurera à jamais dans notre conscience collective nationale. Elle est une exigence qui nous impose de réussir dans notre mission au service de notre peuple. Nos pensées se dirigent également vers tous les candidats qui ont participé à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Nous voulons rendre un hommage héroïque à celui qui a orienté et façonné notre lutte politique durant 4 décennies, avant de nous quitter au cœur du combat le 1er février 2017. Nous avons cité le président Étienne Tshisekedi Wamuli. Cet homme d'exception, dont le sort personnel est indéniablement lié à l'histoire contemporaine de notre pays, a su par son charisme, sa rigueur morale, sa ténacité et son dévouement incarner les profondes aspirations du peuple congolais pour la démocratie et le progrès social. Nous voudrions ici lui témoigner toute notre affection et la reconnaissance de la nation tout entière. Le président Étienne Tshisekedi nous a inculqué les valeurs de la lutte politique au service de chaque Congolais
quelle que soit son opinion, son origine et son parcours. Nous allons appliquer cet enseignement dans nos actes au service de notre peuple. Chers compatriotes, dans le plus grand respect de la tradition républicaine, nous rendons hommage à celui qui aura été l'un des acteurs de la matérialisation de l'alternance démocratique et pacifique. Monsieur le Président Joseph Kabila Kabange, après justement cette cérémonie de passation de pouvoir pacifique, en tout cas une première en République démocratique du Congo entre Joseph Kabila et Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, les réactions fusent de partout. Nous vous proposons quelques-unes, nous les écoutons. Et ça fait plaisir parce que ça montre clairement que nous allons commencer à tenir compte de nos textes légaux, puisque dans la Constitution, on parle de la parité. Et donc, j'ose croire qu'il va prendre cela en compte et qu'il y aura beaucoup de femmes dans nos institutions aujourd'hui. Évoquer de nouveaux visages, de nouvelles personnes, de nouveaux politiques, il faut que le président Félix Tshisekedi en prenne conscience, de telle sorte que même quand il va mettre son gouvernement en place, qu'il tienne compte de la géopolitique. Ce serait très important pour apaiser tout le peuple congolais. C'est quand même un discours complet. Il a pratiquement touché tous les secteurs de la vie nationale, et le secteur qui m'a intéressé le plus, c'est le secteur entrepreneurial, parce que je me suis engagé surtout pour ce secteur. J'avais dit dès le départ qu'il est temps pour nous d'opposer l'économie basée sur les matières premières, qui est source de convoitise, qui est source de trahison, qui est source de plusieurs problèmes, nous l'avons vu pendant la campagne, à une économie basée sur la création des richesses dans l'entrepreneuriat. Nous avons vu le peuple scander là-bas quelque chose qui nous a tous touchés, que papa avait dit le peuple d'abord. On aimerait vraiment que ce nouveau gouvernement puisse placer le peuple au centre de tout ce qu'il va entreprendre. Au nom de tout le personnel de l'ambassade de la République démocratique du Congo en Ouganda et au mien propre, je tiens à présenter mes très sincères félicitations à son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi pour son élection en qualité de président de la République démocratique du Congo. Tout en priant l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, de lui accorder ses grâces et ses bénédictions, nous rassurons son Excellence Monsieur le Président de la République de notre engagement de pouvoir l'accompagner dans les nouvelles tâches qui nous sont confiés. Par la même occasion, nous tenons aussi à exprimer nos très sincères remerciements à son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République honoraire, pour son sens élevé de patriotisme et de fidélité qui font qu'aujourd'hui nous ayons connu une passation paisible et apaisée de pouvoir. J'ai l'infime honneur de vous présenter au nom de la population de la ville de Lubumbashi et au mien propre, les vives et sincères félicitations. Excellence, Monsieur le Président, votre avènement à la magistrature suprême prouve à suffisance la maturité politique des dirigeants congolais qui ont pu organiser les élections sans aucun financement extérieur. Et surtout, cette vision politique incarnée dans la détermination du président Joseph Kabila Kabange qui a abouti à la passation pacifique et civilisée du pouvoir entre un président sortant et celui entrant, à qui j'adresse les hommages les plus déférents. Un moment historique, un moment vraiment digne de mémoire, un moment particulier où toute la nation congolaise, la population congolaise est réunie autour des symboles de l'État. J'ai cité le drapeau et la constitution qui est demeurée inchangée. C'est un moment à capitaliser effectivement pour faire renaître ce sursaut patriotique. J'en profite pour saluer un homme, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui a rendu possible ce moment. Et aussi souhaiter un bon mandat
au président Félix-Antoine Tshisekedi pour qu'il puisse, n'est-ce pas, répondre aux attentes de la population. Rappel des titres avant de boucler complètement ce journal. Vous avez suivi les deux ordonnances présidentielles portant nomination de M. Vital Kamerhe au poste de directeur de cabinet du président de la République et de M. Désiré Kachmiré Kolongole comme directeur de cabinet adjoint du président de la République. Mais un communiqué également vient de nous parvenir. La grande communauté des Congolais de l'étranger porte à la connaissance de la diaspora congolaise se trouvant actuellement à Kinshasa qu'une réunion se tiendra à Kinshasa le samedi 26 janvier 2019 à 11h au flat hôtel La Concorde, 6 avenue Koutou numéro 6, quartier Kintsuka, dans la commune de Ngaliema, référence à Arrêt Mimosa. Ce communiqué tient lieu de faire part. La présence de tous est vivement souhaitée. Fait à Kinshasa le 25 janvier 2019, signé Célestin Kabasele Kabasele pour la coordination. Vous avez également suivi avec nous dans ce journal la première réunion du Conseil supérieur de la défense présidée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La situation sécuritaire sur toute l'étendue du territoire était abordée dans cette réunion. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 7h. Au revoir.